Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien en cette journée. Aujourd'hui, je voulais vous parler... Alors, c'est pas vraiment une marque que j'ai testée. Enfin, si, c'est une marque pour laquelle je suis abonnée depuis maintenant, je dirais, 2 ans. Donc c'est la marque Glossybox. Donc voilà, c'est une marque qui envoie tous les mois des box soins et beauté, donc dans lequel se trouvent environ 5 à 6 produits différents chaque mois, donc de marques plus ou moins connues. Voilà, ça peut être des marques qui sont pas du tout connues, des marques bio, des marques très connues comme Too Faced, Huda Beauty, des marques comme ça. Bon, et plein d'autres marques, tellement de marques que je ne peux pas vous les citer. Donc ce sont des box, comme je vous l'ai dit, qu'on reçoit tous les mois. Ça marche par abonnement, donc il y a plusieurs types d'abonnements pour ces box. Donc il y a soit vous prenez une box, donc un mois une box, donc c'est 15,50€ avec la livraison offerte pour une box. Ensuite vous pouvez prendre un abonnement de 3 mois, c'est 46,50€ pareil en livraison offerte. Vous pouvez pas payer en plusieurs fois en fait. Voilà, si vous voulez vous abonner sur 3 mois, vous payez 46€ et pendant 3 mois vous allez recevoir votre box, donc ça équivaut à le prix de la box à 15,50€ également. Après vous avez les abonnements sur 6 mois, donc c'est 87€ pour les 6 mois, livraison offerte encore, ça revient à 14,50€ la box. Et enfin il y a l'abonnement à l'année, donc sur 12 mois, c'est 156€ avec livraison offerte et ça revient à 13€ la box par mois. Donc moi j'ai pris le pack 1 an, donc ça fait 2 ans, peut-être même 3 que je renouvelle l'abonnement, parce que moi j'en suis vraiment super contente, ça me permet de découvrir des nouvelles marques et d'établir ma routine. Les box, donc c'est généralement des box rouges comme ça, je vous montrerai après comment c'est à l'intérieur, parce que donc là dans cette vidéo en fait je vais vous présenter ce qu'il y a dans la box du coup que j'ai reçue au mois de janvier. Donc tous les mois je ferai une vidéo comme ça où je montre le contenu de la box du mois d'avant, comme ça, ça spoile pas les produits qui sont dans la box aux personnes qui potentiellement recevraient la box, mais ça peut vous montrer si jamais vous voulez souscrire à un abonnement, si ça peut vous intéresser ou non. Donc voilà, ce sont des box généralement roses, sur 80% de l'année c'est comme ça, et ils font des box à thème de temps en temps. Donc là en février j'imagine que ça sera le thème de la Saint-Valentin, donc la box change un petit peu. Par exemple, une box que j'ai reçue il y a longtemps maintenant, je sais plus quand, mais je l'ai sous la main, donc je vais vous la montrer. C'était la box Festival Vibes, donc elle se présente comme ça, donc elle est vraiment super belle. Vous pouvez garder les boîtes, vous pouvez faire des trucs sympas ou même juste des rangements. Moi je sais que maintenant je conserve les boîtes et je les récupère pour mettre dans mon armoire en haut pour pouvoir ranger différentes choses. Donc voilà, tous les mois il y a des... Enfin, dans l'année il y a différents thèmes. Pour Noël ils font des box super belles. Sur les grandes occasions ils font des box à thème. Et même de temps en temps comme ça, des petites box qui sont bien jolies. Et après les produits dedans sont un petit peu en rapport avec le thème. Donc il faut savoir que quand vous vous inscrivez sur le site, vous répondez à un questionnaire qui permet de déterminer votre type de cheveux, votre longueur de cheveux, votre type de peau, etc. Et en fait, ils vont mettre dans la box des produits qui vous correspondent. C'est-à-dire que par exemple, sur le mois de janvier, admettons, ils avaient 10 produits en tout pour les box, mais vous en aurez que 5 qui correspondent le mieux à votre profil. Donc c'est pour ça, ne vous étonnez pas si genre dans le petit livret description il y a des produits que vous n'avez pas, c'est tout simplement parce que voilà, vous avez eu d'autres produits à la place, mais chaque box contient le même nombre de produits, je pense, pour une valeur pareille. Ensuite, le truc que je trouve très 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 bien,
C'est que chaque mois, du coup, vous pouvez répondre, si vous le souhaitez, à des questionnaires de satisfaction sur chacun des produits qu'il y a dans la box. Donc en gros, c'est s'il vous a plu, si vous connaissiez la marque, si oui, comment, comment vous avez aimé le produit, les défauts, les qualités, des quiz un peu comme ça, qui vous permettent de récolter de l'argent. Donc il me semble que c'est 10 ou 20 centimes, ben, je vais regarder, mais je crois que c'est 10 centimes pardon, par questionnaire complété. Je regarde. Oh, pardon, c'est 30, pas même 60 centimes en fonction du produit. Donc voilà, à la fin, ça vous fait un cash prize, de l'argent, quoi, une cagnotte, que vous pouvez dépenser, donc soit dans un abonnement, soit, moi, ce que je fais, c'est qu'on peut les conserver un an, c'est des euros économisés, enfin, gagnés. Et en fait, à Noël, ils sortent toujours une édition un peu premium. Donc la box coûte, je crois qu'elle coûte dans les 40 euros. C'est que des produits en full size et il y en a énormément. En 2019, dans la box de Noël, on a eu 11 produits, je crois, en grande taille. Voilà, donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. Je vous présenterai la box que j'ai commandée à Noël en édition du coup limitée, que j'ai intégralement payée avec l'argent que j'avais gagné grâce au questionnaire. L'année d'avant, j'ai pu acheter le calendrier de l'Avent qui avait une valeur, je ne m'en rappelle plus, mais juste énorme. Il coûtait très cher ce calendrier de l'Avent, mais pareil, j'ai pu économiser, je crois, la moitié de la box en mettant dans cet achat ma cagnotte. Et c'est un calendrier de l'Avent qui était énorme. J'ai encore la boîte parce qu'elle est trop belle. Mais je pense que je vous mettrai dans la barre d'infos, si je retrouve la référence ou une photo, je sais pas encore comment je ferai, mais je vous mettrai à quoi il ressemblait. Et à l'intérieur, il y avait notamment pour le cadeau du 24 décembre, la palette de Huda Beauty, les highlighters. Donc je l'ai juste là, donc voilà, c'est pas du chiqué. Elle était comme ça, donc il y a les 4 highlighters. Super, on voit rien du tout, voilà. Donc elle est comme ça, donc les 4, ça je sais pas trop ce que c'est un peu gluant, mais bon, 3 highlighters, un jaune, un bleu, un peu bleu, bleu et un rose. Et du coup c'était le cadeau du 24, donc rien que cette palette, elle coûtait quand même assez cher j'imagine. Donc voilà, c'est pour montrer quand même qu'il y a des produits de marque dedans. Donc voilà, pour la cagnotte. Donc maintenant je vais vous... parler un petit peu donc de la box. Donc elle est comme ça, donc en fait vous la recevez, attendez je la remets comme à l'origine, donc en fait quand vous l'ouvrez c'est comme ça avec un petit nœud, des petites pubs généralement pour bon voilà des marques qui sont partenaires avec eux. Donc là il y a My Jolly Candle, voilà, donc ça c'est clairement de la pub, il n'y a pas de code promo et tout. Et là, il y a un code promo pour Smart Photo, donc je vous le mettrai en barre d'infos si vous le voulez. Moi, je ne l'utilise pas. Et donc ensuite, il y a, donc quand on ouvre le petit nœud, il y a le fascicule donc dans lequel il y a donc le récap de tous les produits qu'il y a à l'intérieur de la box, donc avec un petit descriptif, un petit conseil d'utilisation. Il y a généralement une petite recette. Il y a des petits articles qui sont bien sympas quand même à lire. Ensuite, du coup, vous ouvrez le petit papier et vous avez du coup les produits. Donc, là, donc je l'avais déjà ouverte. Bon, ça fait un petit moment, donc je ne me rappelle plus, plus trop. Sachant que, bon, bah voilà, moi, quand je les ouvre avec ma mère. Et je lui donne les produits que je n'utiliserai pas et qui l'intéressent. Le reste des produits que je n'utilise pas, j'ai un Vinted sur lesquels je les mets. Voilà, parce que vu que je les utilise pas, je n'ai pas envie de les conserver, de les gâcher, si ça peut servir à quelqu'un d'autre. Donc je les mets sur mon Vinted. Je mettrai le Vinted en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Tous les deux mois, j'arrive à mettre quand même un ou deux
produits qui sont dans les box. Donc il faut savoir que les produits que je ne les utilise pas, je les ouvre juste s'ils ont un peu un paquet pour voir ce que c'est, mais je les touche pas, donc ils sont un peu comme neufs, quoi. Donc si on prend la box de janvier, du coup 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, je me rappelle plus si j'ai peut-être donné quelque chose à ma mère, je me rappelle plus trop, ça m'étonnerait quand même. Donc premier, ça va être insupportable la couleur. Voilà. Donc c'est une... oui, des fois c'est des marques, c'est pas marqué en français dessus, comme là. Donc là c'est la marque, oula, Symbiosis London. Et donc c'est pour ça qu'il y a le petit fascicule qui permet au moins de savoir ce que c'est, à quoi ça sert et comment on l'utilise. C'est un sérum visage qui convient à tous les types de peau pour prévenir les premiers signes de l'âge. Donc c'est un peu une... c'est comme une crème hydratante, quoi. Donc voilà le premier produit. Ensuite, on a un Strawberry Booster. Donc ça, c'est pareil, ce n'est pas marqué en français. Ah, c'est 100% huile de graines de fraise pressée à froid. C'est une huile visage, donc du coup, à la fraise. Voilà, c'est pareil, c'est un truc hydratant. Donc c'est en petite pipette comme ça. Donc oui, dans les box du mois, c'est des petits formats. Donc là, par exemple, ce produit, c'est du 15 ml. C'est 15 ml. À chaque fois, dans le petit bouquin, il y a le prix qui coûte en grand format. Donc là, par exemple, produit full size. Donc ça, c'est le produit en full size. Donc 15 ml, ça coûte 13,50 €. Celui-là, donc là, on a un échantillon. Enfin, un échantillon. On a un petit format de 30 ml. Non, c'est pas possible, c'est une blague. Le produit full size, il coûte 116 €. Mais il y a aussi marqué 30 ml. Donc ne me dis pas que ça coûte 116 €. Non, je pense pas. Bon, le produit en grand coûte 116 €. Bref, ensuite, on a un petit... oh punaise. Un petit roll-on. Comme ça, donc pour mettre sur les imperfections. Donc très bien. Ensuite, on a... deux masques comme ça, Google. C'est des masques hydratants, quoi, en tissu. Et ensuite, on a un beurre de soin de la marque Palmer. Voilà, au beurre de cacao, je crois, un truc comme ça. Alors ça, honnêtement, je pense que je vais le mettre sur mon Vinted parce que j'aime pas du tout l'odeur. Moi, c'est une odeur qui ne me plaît pas. Donc voilà, je l'ai pas utilisé, j'ai pas mis mes doigts dessus. Juste voilà, je l'ai ouvert pour sentir et voir ce que c'était. Mais moi, honnêtement, c'est pas une odeur qui me plaît, cette odeur de chocolat. Du moins, pas pour la cosmétique. Donc lui, par exemple, je le mettrai sur mon Vinted. Comme ça, si jamais vous le voulez. Voilà. Donc ça, voilà, par exemple, ça c'est la box que j'ai eue au mois de janvier, donc avec 5 produits. Donc voilà, tout ne me correspond pas, je ne mets pas tout. Typiquement, dans beaucoup de box, nous recevons des rouges à lèvres, moi j'en mets pas. Donc tout ce qui va être rouge à lèvres, du coup, soit je le donne à ma mère si elle le veut, soit bah, voilà, je le mets en vente sur mon Vinted. Donc comme je vous l'ai dit, c'est des produits que j'ouvre mais que je ne teste pas, surtout les rouges à lèvres. Quand je vois que la couleur est... me plaît pas du tout, je vais pas m'amuser à le tester, ou bien si jamais je le teste dans l'annonce de Vinted, je vais mettre que je l'ai essayé sur le haut de ma main. De toute façon, sur les premiers essais, je le mets jamais sur mon visage, sauf si je le garde. Mais les objets que je ne garde pas, soit je le teste juste avec les doigts que je mets sur ma main, mais de toute façon je l'indique toujours si je l'ai testé sur mon Vinted dans la description. Donc voilà, que dire de plus? Bah, c'est tout, en fait. C'est tout. Je pense que j'ai un petit peu le tour pour cette box-ci. Donc, là, ça va être une vidéo un petit peu plus longue que les prochaines. Parce que là, voilà, je vous ai expliqué, du coup, les prix, la marque, ce que c'est, le coût des points que vous gagnez pour
faire une cagnotte. Les prochaines fois, ça sera assez simple, c'est-à-dire que voilà, soit je découvrirai la box avec vous, soit je vous présenterai les produits qui sont dedans, sachant, tenez bien en compte que je ferai le mois d'avant de celui où l'on est. Comme ça, voilà, pas de spoil. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ces box, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir. Donc en fait, quand on ouvre, c'est un peu la surprise de qu'est-ce qu'on va avoir. Donc c'est vraiment cool ce concept, et c'est pour ça que moi je le conserve. Donc il faut savoir que quand même, vous allez accumuler assez rapidement des choses. C'est-à-dire que par exemple, dans cette box, je vais recevoir des masques. Là, peut-être que le mois prochain, je vais encore recevoir des masques. Et je vais peut-être pas avoir forcément fait cela avant de recevoir les autres. Donc vous allez peut-être accumuler un peu. Donc voilà, c'est vrai que moi, on m'avait conseillé de faire un an ou deux ans et de ne pas reprendre par exemple cette année pour pouvoir déstocker tout ce que j'ai et reprendre l'année d'après. Mais j'aime trop ce petit concept et tout. Donc j'ai conservé, mais j'ai quand même pas mal de produits. Donc, bah écoutez, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour cette box. Bref, je vais vraiment arrêter de blablater. Je vous laisse donc sur cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si jamais vous faites aussi partie de la team Glossy Box et que vous recevez aussi vos box, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes convaincu, ce que vous aimez dans ce concept. Et puis écoutez, je vous fais de gros bisous, puis on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Salut !